Et yop tout le monde, c'est Ranor et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur Nier Automata. Je suis à mon avis dans les derniers épisodes là, je vais faire toute la session, je vais finir le Let's Play sur cette session. Donc désolé si vous mettez des commentaires, je ne les verrai pas avant d'avoir fini la session précédente. Donc notamment les explications sur la fin, le lore, etc. Parce que j'ai pas tout compris, hein, vous l'aurez sûrement compris dans mes petites... Je peux pas me TP avec ça? Ah, j'ai pas encore débloqué le TP peut-être. Effectivement. Bref. Vous m'expliquerez quand même, je le lirai en temps et en heure, mais malheureusement, voilà, pour la fin du Let's Play, j'aurais pas tout compris. Ce sera après coup que ma cogitation viendra. Donc là, j'ai maté la soluce de la quête pour Pascal qui demande de nous chercher un objet. Alors, j'ai maté la soluce parce que effectivement, ça me demande de trouver un objet dans un point précis qui apparemment, d'après la soluce encore, n'apparaît qu'après avoir lancé la quête. Sauf qu'il n'y a aucun marqueur ni rien, donc pour le trouver, merci bien. Donc, en gros, il faut que je grimpe à une racine quelque part. J'ai pas regardé exactement où, je sais que c'est dans la ville, pas loin du cratère. Mais en gros, il faut que je grimpe à une racine qui mène dans un bâtiment, il y a un coffre à fouiller dans ce bâtiment. Voilà. Et puis, bah des racines, il y en a partout. Mais bon, en même temps, je crois que j'y suis déjà allé d'ailleurs dans ce bâtiment en question. Maintenant que j'y réfléchis, je crois que c'est un des premiers bâtiments que j'ai fouillé. On va se balader, on va tester. Qu'une racine près du cratère, une racine près du cratère. Il nous fait rentrer dans un bâtiment. Bah là, je suis jamais allé, par exemple. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a comme peuple? Merde, non, je voulais pas pirater. J'ai oublié que j'étais avec... avec Nefes. Avec Nefes, l'attaque lourde, c'est le piratage. Qui en plus n'est pas amélioré puisque j'ai viré les runes. Enfin, les puces. Bon. Je devrais avoir pas mal de loot puisque j'ai 70% d'en avoir en plus. Par contre, j'ai pas les grandes batteries. Je pense que c'est plus loin les grandes batteries. En termes de difficulté dans le jeu, ça doit être un peu plus loin. Bon, est-ce que c'est là? Je peux descendre, très bien. Est-ce que je peux monter? Parce que je suis jamais allé dans ce bâtiment encore. Il y a un coffre, est-ce que c'est ça? Accès absolument pas. C'est absolument pas ce coffre-là, donc c'est peut-être pas ce bâtiment ici. Hein. On peut pas aller là-haut. Je pense que je devrais pouvoir. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Attends, si je saute là-dessus. Si, c'est bon. Bon, y a rien, très bien. Enfin, très bien, non, hein. C'est chiant, mais... Et si je vais descendre d'un niveau? Là, on a quoi? Un autre coffre, très bien. Faut que j'arrête de répéter très bien à chaque fois. Ce serait très bien, effectivement, si je l'avais trouvé dans le premier run. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Oui, par contre, bouge et tape. Tu seras mignon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, c'est ça. C'est ça. Très bien. Donc, c'est bien au bon endroit que je suis allé. Donc là il me donne le choix entre le filet en gros à Pascal ou au commandant. Alors déjà avant on va le lire. Données archive. Non. D'ailleurs les machines rouges, les machines dorées pareil. On n'a pas plus d'infos que ça là-dessus? Le fin mot d'histoire, c'est juste des machines dorées et puis on sait pas plus. Et c'est quoi ça? Son corps blanc est couvert de mystérieux symboles noirs et son corps noir est couvert de mystérieux symboles blancs. Rousse. Nom officiel terminal.
Le programme d'auto-évolution installé par les pods a fini par fracturer son ego. Ah oui, d'accord. Il s'appelle Rousse, du coup. Android. Copie de 2B. Il n'y a pas 2B tout court en Android? Je regarde un petit peu hein, ce qu'il en est. Par contre, je copie de 2B. Il n'y a pas de 2B en Android? Pourquoi il n'y a pas de 2B en Android? Pourquoi il me fout tous les Android sauf 2B? D'accord, bon. Je cherche, hein, je cherche peut-être des infos, des trucs, tu vois. Bon, bref. Donc, on n'est pas là-dedans, on est dans les archives, on voulait regarder. Oula, attends. Rapport d'étude des machines. Suite à la destruction du réseau. J'ai lu ça, moi? Suite à la destruction du réseau des formes de vie mécanique engendrées par l'effondrement de la tour. Nous avons réussi à extraire des décombres une véritable mine d'informations concernant les machines et les extraterrestres. Dans le cadre de cette analyse, nous avons compilé recherches et théories concernant le réseau des formes de vie mécaniques et les Rousses, nom de code N2. Les têtes pensantes, pardon, présumées du groupe. Nous avons compilé des recherches et théories concernant. Les formes de vie mécaniques sont des armes créées par les extraterrestres, programmées pour ne répondre qu'à un seul et unique ordre, détruire l'ennemi. Toutefois, il semble que leur capacité de développement et d'évolution ait dépassé les attentes de leurs créateurs, qui ont réussi par mourir aux mains de leur progéniture. Donc ça, ok, on avait expliqué ça au début. Les formes de vie mécaniques ont alors compris que pour vaincre l'ennemi, encore fallait-il en avoir un. Dans le but de maintenir ce seul objectif, elles ont arrivé à la conclusion contradictoire qu'elles ne devaient en aucun cas annihiler leurs adversaires actuels, les androïdes, sous une peine de ne plus avoir d'ennemis à vaincre. Ah, c'est sérieux? En fait, je suis en train de me casser la tête alors que c'est expliqué dans les données. Afin de résoudre ces contradictions inhérentes, les formes de vie mécanique ont commencé à saboter intentionnellement leur propre réseau en diversifiant les vecteurs d'évolution de toutes les machines. Ce phénomène est à l'origine de l'émergence de formes de vie mécanique atypiques comme Pascal ou encore le roi de la forêt. Le réseau défectueux a alors commencé à répéter un processus d'autoréparation tout en intégrant des éléments de son environnement, jusqu'à atteindre les caractéristiques de la stabilité d'un nouveau réseau. Les bribes d'informations sur les souvenirs humains issus du serveur quantique du modèle précédent ont été découvertes, indiquant qu'il les avait intégrées lors des dernières étapes de son processus de développement. Le serveur contenait notamment des archives concernant un projet inachevé baptisé Gestalt et des informations sur l'être humain ayant été le premier résultat probant du processus Gestalt. Ayant acquis de nouvelles informations sur l'humanité, la structure du réseau s'est encore modifiée pour devenir une sorte de méta-réseau ou un concept, pour reprendre la terminologie des machines. Cette évolution a donné naissance à l'ego que nous avons nommé N2. Donc c'est la personne qu'on voit là sur l'image. Donc pour résumer, on se bat depuis plusieurs siècles contre un réseau de machines qui porte en son sein le spectre de l'humanité. On vit dans un putain de monde où on mène une guerre sans fin qui nous est impossible de perdre. Et tout ça pour les beaux yeux d'un conseil de l'humanité qui n'existe même pas. Je sais pas à quoi ça rime tout ça, mais je jure que je vais trucider toutes ces formes de vie mécaniques inutiles de tous les enfoirés qui sont derrière le projet Yora. Je vais vous faire la peau à tous, allez vous faire foutre. Responsable d'analyse des informations, Psycho. D'accord. C'est Psycho qui est au courant de ça. Ok. Donc c'est. Oui, c'est plus ou moins ce que j'avais pigé sur la trame de fond. Par contre, sur le détail, pour ce qui est de A2 et de 2B, je sais pas si c'est pas plus précisé que ça. Mon cher ami, excellente nouvelle. J'ai réussi à obtenir 12 kilos de plutonium dense et hautement concentré, provenant d'un laboratoire ennemi. Après une analyse minutieuse, je suis désormais en mesure de confirmer que j'en ai suffisamment pour fabriquer 3 bombes nucléaires. À présent que le plus dur est fait, la récupération des autres éléments ne devrait pas poser de problème. Insurmontable, pardon. Et c'est la seule façon de les obliger à regarder la vérité en face.
La phase de fabrication des bombes à proprement parler n'a toutefois rien d'une partie de plaisir. Que je tombe au champ d'honneur et mes connaissances disparaîtront avec moi. C'est pourquoi j'ai décidé de vous confier un plan détaillé. Grâce à ces sauvegardes, n'importe quel quidam doté d'un minimum d'esprit pratique sera à même d'assembler le tout. Souvenez qu'il ne s'agit pas d'exercer une quelconque vengeance, nous ne sommes pas les instruments du châtiment divin. Puisse Dieu nous vous accorder sa bénédiction. Très bien. Donc c'est surtout rapport d'étude des machines qui est très intéressant. Qui confirme en gros tout ce que... Voilà, qui a interprété tout ce que je me cassais la tête à comprendre. Finalement, j'avais juste à le lire. Passons, passons, passons. Bon. Bon, bon, bon. Donc ça laisse quand même quelques mystères. Donc pareil, au niveau de la résistance Android. Eux, par contre, d'après ce que j'ai pigé, c'est surtout le groupe Yora qui est en fait créé par les machines. La résistance, elle, qu'est-ce qu'il en est? Elles ont été aussi créées par les machines? Est-ce que finalement elles ont pas d'épée la résistance? Tu vois, ils ont vraiment des armes à feu, donc on sent qu'un style quand même relativement différent. Bon, il y a quand même quelques questions qui restent encore... voilà, qu'on peut encore se poser, mais globalement, on a le tableau. Et j'avoue que c'est putain de bien ficelé. Vraiment, hein. Je suis bluffé. Vraiment. Est-ce que mon perso... Voilà, mais c'est ce qui me semblait. Mon perso avait disparu dans le mur. Et donc, du coup, est-ce que le dash peut le faire infini? Non, mais c'est que... D'accord. Non, mais je voulais plus. Je peux plus sauvegarder du coup? Si, c'est bon. Bon, j'ai pas utilisé. Je voulais juste voir ce que ça faisait. Pascal. Je lui présente bien les défis sans même évoquer. Donc, je pouvais filer soit au commandant, soit à Pascal. Mais étant donné que le commandant se fait contaminer par un virus après, bon. Oui. Voilà, bon, cette quête c'est ok. T'inquiète pas. Si jamais ton peuple se fait attaquer, tu seras morte. Ok, bon. Bon, bon, bon. On a fini la quête info sur le vieux monde. On va sauvegarder. Du coup, la partie de cette quête-là est terminée, donc on va charger une autre. Mais avant, j'aimerais juste aller voir la résistance, en fait, parce que... il n'y a que le groupe Yora qui se fait exterminer. En fait, ça me choque un petit. Il y a 2-3 incohérences parce que le groupe, la résistance devrait être au courant de ça. Puisque le groupe Yora se fait contaminer, exterminer. Mais quand on revient sur place avec Nefes qui n'est pas mort, on constate que la résistance est toujours là et qu'il n'y a quasiment aucun mort chez eux. Donc le virus les a pas touchés. Ce qui est logique puisqu'il n'a pas été. Puisqu'ils ont peut-être pas été créés par les machines. Et pourquoi ils préviennent pas les androïdes alors? Ils sont, enfin, les autres androïdes, le groupe Yora, j'entends. Pas mal de questions, pas mal de questions. Je sais, hein, je suis désolé de pas avoir plus d'infos que ça. Eh ben, ils ont mis la dose. Pourquoi ça me fait tourner automatiquement la caméra? C'est bon, j'ai vu à quoi il ressemblait. Hein. Level 13 en plus, merci. Je prends même pas de dégâts. Sur quel level? On fait un petit génocide, tout ce qu'il y a de plus convivial.
Très bien. J'aime les génocides. C'est pas vrai, hein. Ouais, va falloir que je farme les... Comment, les... Les grandes batteries un peu plus tard. Je me demande s'il y a d'autres armes qui ont des descriptions aussi... comment dire, intéressante pour le scénario que l'arme de 2B. Parce que je pense que là, tout le monde en conviendra que les révélations pour... Enfin, il y a forcément un lien avec le scénario. Combien de temps encore, etc. Non, si, c'est forcément ça. Mais je me demande s'il y a d'autres armes qui ont autant de signification. Parce que celle de Nefes, par exemple, j'ai pas l'impression que ce soit... celle de Nefes, c'est des trucs cruels. C'est vraiment cruel. Par contre, c'est chiant que ce soit bugué. Donc, c'est pas arrogance cruelle. C'est des épées. C'est vraiment cruel. C'est avec les frères, ça. D'accord, très bien. Et c'est quoi l'autre? Il n'y en a pas d'autre, lui, remarque. Ça? Jamais je n'oublierai notre gros, notre amour, je le savais, serait éternel. Remarque, si celle-là, il va falloir que je l'améliore. Pourquoi je peux pas l'améliorer? Il manque des pièces. Il va falloir que je l'améliore, celle-là. Ça a l'air d'être le même style que l'autre. Il va falloir que je l'améliore. Le truc des frères, ça a l'air un peu bidon. Enfin, bidon. Bidon dans le sens, c'est pas très... On n'a pas plus d'infos que ça, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, est-ce que ils peuvent me... des gens ils peuvent me parler, me filer des infos, me dire oui, non, tiens, peut-être, accordéon. Ah mais je peux... Attends, je peux la harceler, elle. Y'a pas plus? Très bien. Si je regarde là, c'est parce qu'il y avait... Je sais plus où... Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça. Mais un truc qui parlait du PC d'Anemone, mais... Ah oui, PC peut-être pour poste de commandement, plus que pour ordinateur. Aucune idée. Toi, t'es qui? Bon. J'ai pas l'impression qu'ils disent grand-chose d'intéressant. Je sais plus, je lui parlais parce qu'elle avait un châle rouge. Je sais plus quel perso avec un châle rouge avait tué sa pote. Enfin bref, c'est... Bref. Passons, passons, passons. Ah oui, non, c'est la meuf là-haut. Bon, bon, bon. Alors, on va du coup passer à une autre quête. Comment je fais du coup? Je sauve là maintenant. Je tâtonne un peu encore une fois. Hein. Donc si, je sauve, très bien. Ensuite, si je fais retour à l'écran titre... Oui. Très bien. Donc continuer. Gna gna gna. Oui. Très bien. Choix du chapitre. Alors j'étais. J'étais là. Vaisseau extraterrestre. Donc je suis à 12 sur 12. 21 sur 23. 21 sur 23, je sais pas pourquoi, mais 12 sur 12 quand même. Je sais pas ce que c'est le partagé, hein, mais bon, on avance. Partagé, 29 sur 32. 3 sur 3.
2 sur 2, 5 sur 6. La boîte à viande, 9S. Ici, la détermination de 9S. Il faudra que je fasse celle-là, du coup. Vas-y. Commencez le chapitre à détermination de 9S. Du coup, maintenant que je suis là, il faut déjà. Il y a plusieurs choses qu'il faut que je fasse aussi, en plus, qui sont même pas des quêtes. Il y a aussi le lapin doré géant, là, à la fête foraine, qu'il va falloir que je bute un de ces quatre. Parce qu'il est, hein, il est un peu chiant, ce lapin. Il y a le coffre de machin, là, comment il s'appelle? De Emile, qu'il faut que je trouve. Bon. Donc là, ils disent que j'ai une quête secondaire à faire. La seule que je vois, c'est celle-là. Hein. J'en vois aucune autre. Ouais, mais je vois pas quelle autre quête je pourrais. Il n'y a que éclaireur. D'après ce que je vois, faut affronter 95% des unités du jeu. Je suis à 88. Putain. Je vous jure. Bon, on va chercher une autre quête. Parce que là, je vois rien d'autre. Alors, donc j'étais là, à boîte à viande, où il y avait une quête qui me manquait avec 9S. Très bien. 9S, encore une qui manque. 1 sur 2. Mais il est marqué 1 sur 2 partout. Il me manque. Je pige pas. Je pige pas. Donc là, ça va être le premier partagé. 22. Ah, 22! Attends, partagé, ça veut dire que tu peux faire avec l'un ou avec l'autre, peut-être. Donc là, il m'en manque deux. Vaisseau extraterrestre en partagé. C'est ça? Avec l'un ou avec l'autre? 14, 14, 21. Mais je viens de la faire, le vaisseau extraterrestre. Du coup, pourquoi je vraiment, j'ai du mal à piger. Et on peut pas voir les quêtes précises qui me manquent. Bon, attendez, 2 secondes. 2 secondes. Pouce, je regarde vite fait, parce que là, je sèche complet. Vas-y, on va tenter. On tente un peu des trucs, hein. Je vous avoue que. Je vous avoue que je suis carrément paumé sur les 4 quêtes qui me restent. Pareil, la. Comment? Il y a une quête où faut. Où faut toutes les armes niveau 4 de ce que je vois. Mais putain, vous imaginez le nombre de conneries qu'il va falloir que je farme? Ah oui, c'est vrai, il va falloir que je regarde comment améliorer mon arme. J'avais oublié. L'arme de 9S. Ouais, blablabla. Je connais, j'ai déjà fait. Alors par contre, juste, puce et fonctionnalités, j'ai le truc. On va laisser ce truc là, hein, pour le butin pour l'instant. Au niveau de la carte, on est d'accord que je n'ai absolument rien de visible. Ce serait trop beau si j'avais un gros rectangle, tu vois, un gros point rouge qui dit, hey, il y a une quête. Oh, on a une quête, je te dis. Non, il n'y a strictement rien. Même pas dans le château, tu vois. Résistance camp. Vas-y. On va aller au camp de la résistance. Transfert. Tiens, j'ai pas obligé de quitter, je peux directement aller dans le choix du chapitre.
Bien vu l'aveugle. Remarque, c'est peut-être un message sur la fin, j'ai pas. J'ai pas de check. Sur la fin, si j'avais des messages. En même temps, je vois pas vraiment qui pouvait m'en envoyer, il y avait plus de base. Mais bon, passons. Du coup, déjà toi. Ah non, faut d'abord qu'elle me demande, qu'elle me donne l'accord. Bah elle est où cette... Je vais dire cette connasse, mais non. Un peu de respect. Non mais elle est où, machine? Bon. Aucune info. Très bien. Quête me demande d'aller à l'entrée du camp de la résistance. Très bien. Aller dedans, ça ne marche pas. Il faut aller devant. Pour voir Pascal qui se fait agresser. D'ailleurs, si on tue Pascal ici, se passe quoi? Est-ce que ça ferait une genre une fin? Attends, j'ai envie de le faire. Je vais sauver avant. Parce que je suis pas confiant. Je vais sauver avant. Vas-y. Bon. J'ai aussi Pascal. C'est une fin rapide ou... Ouais, je pensais bien que c'était une fin troll. Ce serait logique, hein, d'une certaine façon. Rendu folle de rage par la destruction de Pascal aux mains de A2. Les machines du village ont fini par éradiquer les androïdes de la Terre. Ouais, ils étaient 20. Over Zealous. Je sais pas trop. Bon, ça me fait une fin en plus. Bon, voilà. Pour ce que ça vaut, c'est pas vraiment très intéressant. Allez, on reprend. Continuer. Continuer, oui. Choix du chapitre. J'étais dans... Ça va être ça. Et si je fais continuer tout simplement? Non, lancer la partie? Attends, je vais recharger directement où j'étais, on est d'accord, hein, j'ai pas recommencé le run avec 2B et tout. C'est bon, je suis bien là. Ok, bon, bah, c'était bien, je pensais bien que c'était une fin troll en vrai. Je pensais bien que c'était une fin troll, mais je voulais vraiment être sûr, tu vois. Pareil, j'essaierai de la détruire dans l'usine, voir si ça change un truc. Bla 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 bla. Très bien. Ensuite, toi qui viens de pop spontanément. Numéro 2. Vous voyez qu'elle appelle numéro 2 au début. Elle l'appelle comme elle était au début en fait. Elle s'est rename à 2. Mais... Anemone la connaît sous le nom de numéro 2. Numéro de mes propres vins. Je suis désolé. Ok. Bon.
Donc ça se sent donc quand même qu'elle la connaissait depuis le début. C'est l'appel numéro 2. Ah, je sais pas. Trop de questions. Oui. Très bien. Alors, amélioration. Mais je m'en fous du filtre à carburant, je voulais... Mais je m'en tape, je veux juste améliorer mon arme. Oui, je sais. Pourquoi les 72 des noms? Oh mon dieu, cet assassin, il a tué un élan. Non mais j'ai de la viande d'élan. Non bref. Du coup, est-ce qu'ils peuvent m'améliorer maintenant que je suis parti et revenu? Alors. Là, il me manque câble tordu. Vis-strié. Là, j'ai tout visiblement. Grande batterie. Le truc level 1. Ce truc-là. Bobine étirée. Bobine étirée. C'est bobine étirée qu'il me faut. Falloir que je farme à fond. Transfert, château. Falloir, ou alors que j'achète des trucs. Je sais pas trop. L'un ou l'autre. Pas château, je voulais aller forêt, pardon. Bon. Ça a quand même pas mal de choses à faire en quête. Parce que là, les seules quêtes que je sache que je dois faire, c'est améliorer les armes level 4. Parce que c'est toutes les armes level 4. Ça va prendre un certain temps de farming. Je pense que je couperai au montage au moins 3 ou 4 heures. 3 ou 4 heures de jeu. Parce que ça en fait un paquet quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais devoir améliorer toutes les armes level 4, ça fait quand même un paquet de farming à plusieurs niveaux. Et ça va être très très chiant à regarder. Très très chiant à faire aussi. Mais bon, ça c'est pas votre problème. Et du coup. 95% de d'ennemis différents tués. Ainsi que trouver le coffre des mille. Qui est planqué dans des recoins que je ne saurais nommer. Bon, je vais revoir le marchand du bas là que j'avais tué le dernier coup. Ouais, c'est ça, vengeance au nom du roi, blablabla. Allez. Est-ce qu'on veut parler? Mais pourquoi tu veux jamais, toi, me négocier? C'est pas possible, ça. Je vais recharger un run d'avant, je pense, pour pouvoir lui acheter des trucs. Parce que c'est chiant de ne pas pouvoir un peu. Légèrement. Et je sais pas s'il y a des mobs qui peuvent vendre les ressources. Parce que lui, je crois qu'il pouvait en fait. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr. À tous les coups, il ne pouvait pas du tout. Je suis invulnérable. Circuit cassé, alliage titane. Gna gna gna. On peut loot sans au maximum qu'un objet, j'ai l'impression, par connard. Par connard. J'ai l'impression qu'on peut looter un seul objet par robot, ce qui limite quand même fortement les possibilités. Parce que s'il y avait un PNJ qui vendait des compos, je suis allé là moi déjà?
Je suis quoi? Je suis pas retourné en fait en bas depuis la pop, le pop de la ville. Bon, y a rien d'intéressant de toute façon, c'est juste un. Des bouts blancs et puis c'est tout. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'autre. Bon. Ah bah il y a encore la machine mourante. Non? C'est juste des machines classiques, quelle level? 42. Allons-y. T'es là-bas derrière. Très bien. Pas très bien. Alliage mémoriel. C'est des items pétés les alliages mémoriels, mais il manque des petits, moi. Les mémoriels, on s'en fout. Bon. Bon, bon, bon. Je peux pas sauvegarder comme ça. Sous prétexte que quoi? Je devrais pouvoir sauvegarder. C'est un scandale, ça, madame. Du coup, on va choisir le chapitre. Non, c'est auprès d'un point de sauvegarde qu'on peut faire ça. C'est auprès d'un point de sauvegarde. Calme-toi, Oranor, calme-toi. Tu veux aller trop vite. Tu fais des bêtises. C'est pas bien de faire des bêtises. Hein. Oh putain. Non, vraiment, je suis un peu en galère là parce que j'ai des quêtes à faire. Je sais pas trop lesquelles. Je vais devoir farmer les matériaux, je sais pas trop où. Je sais pas où est le coffre des mille. Non, vraiment, je. Et si je retournais dans sa baraque à Emile, tout au fond, c'est peut-être là hein, qu'il a caché le truc. Surtout qu'il y a une salle un peu vide avant qui fait un peu genre boss. Il y a peut-être moyen que ce soit ça. Hein. Bon, on va tenter. Écoutez, tentons, comme on dit dans le jargon. Donc sinon pour ce qui est de la suite, une fois que j'aurai fini les quêtes, parce que je vais vous parler de ça, parce que là pendant que je vais faire des trucs chiants, peut-être que même je passerai des heures et des heures sur Nier Automata qui ne seront pas disponibles en visionnage, parce que si c'est juste farmer des pièces, parce que imaginez qu'il n'y ait pas de marchand, je vais devoir me taper le farming des pièces, ça risque d'être long. Enfin bref, après le programme d'après, ce sera de lancer la... Bon bah déjà pendant le suicide des gamins, j'aimerais bien voir si la pièce que j'ai récupérée, que j'ai achetée à Pascal, elle pourra être utile. Parce que c'est possible que oui, mais c'est aussi possible que non. Voilà, donc j'aimerais bien relancer à ça. Choisir de tuer Pascal encore une fois, plutôt que de lui effacer la mémoire, voir ce que ça change. Et bien sûr, charger la toute fin en contrôlant 9S plutôt que A2. Donc ça sera pour ce run-là. Pour ce qui est du run suivant, parce qu'il y a aussi un run après ça, qui apparemment est la vraie fin. Mais du coup, je sais pas si... En fait, j'ai juste à... charger le dernier chapitre, à faire le dernier chapitre, ça me compte la fin quand même. Ça compte comme une fin de run si je recharge direct, enfin je choisis le dernier chapitre. Parce que ça me paraît trop facile quand même. Tu dis, bon bah j'ai fait le run, je sais pas moi, le run C en 12 heures, par exemple. Et j'ai envie de faire le run D, hop, je charge le dernier chapitre, je le fais en 40 minutes, merci, bonsoir. Bah je sais pas, vous voyez ce que je veux dire un peu. Ça me semble bizarre quand même. Peut-être, hein, mais ça me semble bizarre. Hop. Hop. On va retourner chez lui. C'est quoi ça? C'est technique provoquée? D'accord, je peux le faire avec l'autre? Non, ça c'est deux, d'accord. Et voilà, c'est ça en fait. Ok, je viens de piger un truc.
C'est en fait 9S et 2B ils pouvaient dash comme ça, mais elle, rien à foutre. Rien à foutre. Alors est-ce que je... Bon, on va garder les trucs d'équiper. 60 contre 69, ça le fait. Ça le fait. Ils doivent avoir des objets intéressants. Donc on va quand même les tuer, tu vois. Ceux au moins qui sont sur le passage, après les autres, on s'en fout. Très bien. Oui, d'accord. Tête machine, puissance de feu, batterie cassée. Ça va pas être simple d'avoir toutes les pièces que je veux. Hein. Ouh. Oh, la porte est refermée. Sapristi. Diantre. Fichtre. Misère et boule de gomme. De quoi? Attends, deux secondes. Waouh! J'ai dit 2 secondes. Ok. Parfait. Encore une fois, parfait pour moi. Hop, plaque tordue. Cap parfait. Si seulement il y avait un PNJ qui pouvait tout me vendre. Si seulement. Bon, je vais directement sauter au fond, hein, parce que... Ah, c'est vrai, je peux faire ça maintenant. C'est stylé en vrai comme manière de se déplacer, je trouve. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le lapin doré aussi. Bon, après, avec 70% de chance de loot en plus... Putain, mais il m'a même lâché 2 objets, le mec. L'intérêt, c'est que du coup, je gagne quasiment à chaque fois un truc. Faut bien voir quand même un intérêt quelque part. Donc là, normalement, je devrais en théorie presque arrêter l'épisode. Ouais, bah je dis en théorie et presque. C'est pour vraiment pour amplifier l'incertitude du truc. Non, parce que j'ai regardé aussi des trucs sur le net, donc... pendant le machin... Bon, on va pas s'emmerder avec les combats. Ou alors on va pas s'emmerder avec les... Aïe. Y'a un gros méchant pas beau là. Je savais pas qu'il pouvait faire ça lui. C'est bon, il reste un vivant. C'est quoi, c'est le serpent? Comme par hasard. Allez, meurs serpent. Meurs. Voilà. Bon. Les chitaines, les mémorials. C'est les trucs les plus pétés. Un vistrier, je sais qu'il m'en fallait. Pareil, les jambes machines et tout ça, on s'en fout parce que je sais qu'il y a un PNJ qui le vend, c'est Pascal. Si on le laisse en vie. Si on le laisse en vie, bien sûr. Là, c'est l'ascenseur, ok. Non! Ils m'ont tué, les salauds! Les salauds! Fin de la partie. Merci, bonsoir. C'était sympa. Bon, vous savez quoi? Je vais rééquiper mon autre truc de puce.
Parce que les mobs level 60, bah ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal, faudrait que je me fasse un build genre tank, un truc comme ça. Un truc du genre, je sais pas trop. Je ne sais pas trop encore. Parce que là les mobs sont... Ouais mais du coup tu vois je gagne pas les loot à chaque fois, hein, c'est chiant. Putain, la map est complètement buggée encore. Pauvre map. Elle en subit des choses. Hein. Du coup, est-ce que je continue l'épisode jusqu'à tenter d'aller voir dans le fond d'Emile? Dans le... Enfin, pas dans le fond d'Emile. Le pauvre Emile, il a rien demandé. Non, mais dans le... Comment, dans le fond de sa baraque? Ah merde. Où est-ce que je m'arrête là et qu'on voit la suite? Parce que si je m'arrête là, en fait, le truc, c'est que la prochaine fois, bah, j'essaierai vite fait le... Comment? Le lapin doré là en mode furie avec A2 pour vraiment mettre le maximum de dégâts en minimum de temps. Même si à tous les coups s'il est doré il est invulnérable, il sera vu, enfin il sera touchable juste avec le piratage. Ce qui serait con. Je sais toujours pas pourquoi cette épée elle me donne une espèce d'aura bleue. Quand je tape, enfin quand j'esquive c'est normal puisqu'il y a le truc esquive parfaite. Mais quand je tape, tu vois, c'est comme si c'était une épée super importante. Alors que moi je suis juste en mode bah les couilles, tu vois. On va rusher en bas, hein. On va pas. La 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 la. Mais t'étais pas là toi tout à l'heure. C'est dingue. Alors. Très bien. Pas très bien. Oui et non hein. Bon là on va rush tout de suite la fin, c'est quoi ça? J'avais pas vu ça. Bon après deux lampes. En même temps tu veux voir les coffres là-dedans comment toi, hein, je te jure. Donc là c'est l'ascenseur pour remonter, très bien. Encore une fois, j'aime bien dire très bien. Donc là c'est les mecs qui m'ont tué tout à l'heure. Donc très bien. Là c'est la porte qui est fermée. Oui, d'accord. Pourquoi? Pourquoi t'es fermé, porte? Faut que je tue tes gardes? On pense que c'est ça. Bon, bah j'ai pas accès à la porte, du coup. Est-ce que c'est parce qu'il m'a pas... Je lui ai pas parlé dans ce run? C'est peut-être ça. Donc il va falloir que je retourne à l'ascenseur. Attends, je peux pas. Je peux pas. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Tu arrêtes maintenant, ça suffit des bêtises. On se calme. Voilà, tu meurs s'il te plaît. Meurs s'il te plaît. Parfait. Putain, je te jure tout ce qu'il faut pas faire pour essayer de chercher des machins planqués à l'autre bout du monde. Allez, hop là. Il est où l'ascenseur? Il est là. J'ai aggro les mobs. Non, j'ai aggro les mobs par erreur. Deux secondes, je passe. Merci, au revoir. Tout va bien. La situation est sous contrôle. Je maîtrise absolument tout. Il y avait des mobs ici? Je sais plus. Plus loin peut-être? Plus loin.
aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je vous avoue que si j'étais mort là, ça m'aurait foutu un peu mal. Mal dans ma peau, dépression. Ce genre de choses. Ce genre de choses joyeux. Bon. Très bien. Très bien, très bien. Tout se passe au poil, hein, si je puis dire. On y va en glissade. Et... bah regardez, ma map est buggée, là je vois ce qui se passe en dessous. C'est comme si j'étais en bas là, de ce que je vois. Donc je vais remonter en haut, sauver, parler à Emile. Non mais l'épisode va être trop long, écoutez. Bon, je ferai ça dans le prochain, je ferai ça dans le prochain. Parce que là ça va être vraiment trop long. On est toujours dans le run D. Hein, là, ça veut plus dire grand chose étant donné que j'enchaîne par chapitre en faisant des petits morceaux d'histoire. On sait plus trop ce que ça veut dire. Donc je suis dans le run D, en train de farfouiller pour les quêtes. Je continuerai de farfouiller un petit peu tout ça, vous inquiétez pas. Je ferai les deux fins bah, quand j'aurai trouvé ce que je veux. Si ça arrive un jour. Mais oui, ça devrait arriver un jour, quand même. Très bien. Allez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos et à me suivre sur mon compte Twitter. La prochaine fois, on s'occupera de cette saloperie là, de quêtes manquantes, on ne sait pas trop quoi. J'essaierai de voir aussi pour le lapin doré. Et puis après, ben, je ferai un gros break, une grosse coupure pour farmer tout pour améliorer mes armes. Parce que ça va vraiment être prise de tête sinon. Allez, salut, salut.